Et bonjour tout le monde. Je vais continuer ma progression contre les Bataniens. Il n'y a absolument aucune raison que je m'arrête là. Honnêtement, il ne reste plus grand-chose, je crois. Une ville et deux châteaux. Évidemment, là, le soutien est total pour arrêter la guerre, enfin faire la paix avec eux. Mais bien sûr que je ne vais pas arrêter là. En plus, j'ai assez pour une influence et jamais pour refuser. Il leur reste 2589 en puissance. Là, je ne vois personne ici actuellement. Je vais, je pense, continuer sur ce château-là. On va prendre le château du nord. Et puis, on va redescendre sur Seonon. Le château de Remteuil est en train d'être pris, tant mieux. Il me reste 1212 personnes, ça va. Donc, j'ai une bonne armée quand même. Ah, Kuaz a été repris. Il me semblait que Kiaz était batanien avant. Ah, mais ils font la guerre contre les Azeraïs. Donc c'est tout ce qu'il leur reste. On va tenter. Enfin, je vais tenter tout ça vite fait. Carban 7. Par contre, est-ce que j'ai bien fait ou... Non, ça va, j'ai trois prisonniers. Par contre, on est un petit peu... On est un petit peu blessé quand même. Mais ça devrait le faire. On verra, Carban 7. Qui pour Forim ou moi plutôt, du coup. Forim, c'est un Sturgien. Ouais, du coup, j'avais vu donc justement les commentaires. C'est vrai que il faudrait que je pose un petit peu des troupes à moi, mais là j'ai besoin un petit peu quand même. Je verrai ça après. Je vais le garder, je vais garder la ville, c'est pas un problème pour moi. Je vais voir quand même si je continue à combien est-ce que je suis. Ah bah là, je suis en clairement positif. Mais ça risque de redescendre encore un petit peu, mais ça va encore pour le moment, c'est pas vraiment problématique. Je vais voir d'ailleurs, parce que là il n'y a que 43 défenseurs. On va attaquer ce château. Je me demande s'ils vont repasser à l'attaque. Mais bon, on va en profiter, je vais continuer sur mon élan. Allez là, je remets. Remteuil a été capturé, c'est tout bon. Ah, par contre là je vois pas. Là je vois rien du tout. Donc je sais pas si ça va être attaqué ou pas, on est trop bas. Ça c'est dommage je trouve quand même quand on est en attaque. On peut pas voir ce qui se passe autour. Bon puisque l'autre ville m'appartient, donc là je vais le voir quand même en fait, mais pour les autres forts, etc. ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là je vais donner à Forim. Et puis je vais continuer mon siège sur ce fort. Non, ça c'est les Batanians, ils sont en train de recruter. Ils ont un petit peu plus de mal vu qu'il leur reste plus grand chose. Donc ils vont prendre un petit peu plus de temps à se reformer. Tant mieux. Juste remettre un petit peu, remonter la cohésion. Parfait. Il y en a encore un, puis c'est réglé. Donc, il y a le château de Remteuil qui est attaqué pour le moment. C'est pas bien grave. J'espère qu'ils vont partir à défendre tout ça. Ils réfléchissent. Ok, mais réfléchissez si vous voulez. Il en reste deux. Il en reste plus qu'un. Et c'est réglé. J'ai toujours mon arc, c'est parfait. Ici, on en a 5 encore à monter. Et c'est parti. Ils sont 392, j'ai même pas regardé le nombre qu'ils avaient. Par contre, en ville, là-bas, ça va être un peu plus compliqué. J'aurais peut-être dû finir par un château, enfin, je sais pas. On verra bien. C'est pas grave. Ouais, d'accord. Ils ont une bonne défense là. Je sais plus si je prends des dégâts si je touche ça. Non, c'est tout bon. Bon, allez, les archers devraient y en avoir quand même. Il y a quand même 395 personnes, il me semble. Je vois que ça tire pour le moment, mais je ne le vois pas. Juste un là-bas. Il va falloir viser un tout petit peu plus haut. D'accord, ils arrivent ici.
Là où je vois personne encore. Ça va arriver par là, je pense. D'accord, ils arrivent déjà. Je vois que ça bouge un petit peu à l'intérieur. Oh, ils sont passés où les archers là? Là-haut. Oh le salaud. Oh le salaud. C'est mieux. Mais tu l'as chopé. Je suis peut-être un tout petit peu trop rapproché. J'en ai perdu où qu'il y a encore pour le moment. Ça arrive, ça arrive. On va juste aller attaquer aussi un peu par là-bas. Là-haut. Ah! Allez, j'en ai combien? J'en ai encore 22 si jamais. On va avoir droit à un bon accueil. Pourquoi tu redescends toi? Ils utilisent bien leur bouclier, ceux-là. Allez, on y va, on y va, on y va, on avance les gars, on avance. Je sais pas s'il y a du monde là-haut, pire j'utiliserai mon arc. Non, il n'y a personne. Bravo. C'est affreux. Bon, j'arrive pas à choper. Faut mieux descendre, je crois que c'est mieux quand même. 15 morts pour le moment.
est mort lui. J'adore comme ça se précipite. La porte vient de s'ouvrir en bas, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on a un peu plus bas? Un narquois là. Ça donne sur l'entrée. Il y en a combien? 17 qui ont réussi à s'enfuir. C'est bon, c'est gagné. Ça, c'est parfait. 3 troupes, ça, je les garde. 30 prisonniers aussi. Ça, on prend. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous êtes au courant que Remtel est attaqué? Vous allez où? On réfléchit. On est très con, on réfléchit. Bon. Est-ce que... Azeraï. Ouais, de toute façon, j'ai pas de Batanien, donc bon. Du coup, c'est à moi d'aller défendre, mais je pense que ça va être trop tard, hein, de toute façon, avec 4 défenseurs, qu'est-ce que tu veux faire? Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à cette ville plutôt. Il me semble que c'est mieux. Non. Là, on n'a rien. Les 7. On verra. On va voir si on peut quand même y accéder. Mais là, il va y avoir du monde. 896, 980. 1110, 1180. Oh là là. 1130, 935. Ah, ça va, ça change un petit peu. Là, je pense que ça va être pris. On n'arrivera peut-être pas à temps, quoique. On va tenter, hein. Sait-on jamais. Hop, 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 hop. On y arrive. J'envoie les troupes, là. Ils sont que 150. Non, non. Non plus. Ok, tout ça, on prend. Alors, bah tiens, on va se faire des chevaux un petit peu. Des archers. Ok. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui attaque Diatma? Je suis en guerre contre qui, moi? C'est quand même pas l'Empire, si? Non. Ils veulent prendre Diatma? Est-ce que tu crois que tu y arriveras, toi? Ils sont combien, ceux-là? Ouais, non, ça devrait le faire, s'ils y arrivent. Mais par contre, allez-y, les gars, parce que moi, j'attaque ici. Mais j'ai pas l'impression qu'ils avancent, ces cons. Si, quand même. Allez, on tente. On tente le coup. Dernière ville. Des Bataniens. Ils ont voulu jouer avec moi. Et ben ils sont perdants. En tout cas, elles seront vite tombées, hein. Mais Diatma, c'est quand même pas l'Empire septentrional, quoique possible, hein. C'est possible. Pour le moment, ça n'a pas encore commencé. Encore assez de monde pour tenir encore un petit peu avant de se faire avoir. Les deux armées y vont.
Ici, pour le moment, on n'est pas attaqué. Il y a une armée là-bas. Ils sont en train de se battre contre qui, là? Je ne sais pas trop. Ah, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont défendre Yatma ou pas? Celle-là, ça a commencé. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Non, mais sans déconner! Ah, ils ont abandonné. Tant mieux. Oups. Il y en a un qui est un petit peu trop pété, je crois. Allez! Dernière ville. Ça risque de prendre du temps. Il y en a un qui... Ouais, il y en a un qui est pété. Et pourtant... Là, c'est bon, en fait. Je pourrais attaquer comme ça. Allez, on y va comme ça. C'est pas grave. Il me semble pas que j'ai... Attendez, on va en prendre ça. J'ai pas changé, hein. J'ai toujours mon arc. Ok, c'est tout bon. On mène l'assaut. Allez, 1310 contre 946. Ça va durer un petit moment. On aura quand même pas mal de morts aujourd'hui. On verra bien comment ça va se passer, mais... Je le sens moyen quand même. Hein. Va falloir aller rechercher des troupes après. Mais après ça, je peux leur faire la peur. C'est pas un problème. Ouh, là, je vois qu'il y a du monde qui sont tombés. Bah, tant mieux. Par contre, ouais, bon. Mauvaise idée. Ils ont des lances. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Donc évidemment, là, c'est une armée. Enfin, il y a une armée, je sais pas, mais en tout cas, il y a pas mal de troupes. Ce qui fait que ce ne sont pas la milice au mur, mais de vrais combattants. Donc là, ça va être quand même aussi un petit peu plus chaud. Trop haut. Bon, en même temps, mes catapultes elles font plus de dégâts puisque les autres sont plus rassemblés. C'est peut-être pas si mal non plus. Ils sont quand même pas mal aussi, hein. Ils sont quand même très éloignés. Allez, on va monter quand même au mur parce que là on en a perdu que 14 encore, ça va pour le moment. Ça monte de plus en plus évidemment. Mais c'est leur dernière ville.
ont quand même des murs bien hauts là. Bien haut. Quoi, de 1 mètre de plus que les autres. Retrouvons les amis. Ok. Les archers. Je vais tomber. Je suis pas encore tombé. Regardez-moi ça, tous ces archers là. J'ai pas réussi à le prendre encore. Quand même. Allez, encore un ou deux, bah, regardez-moi ça. Salaud, on est combien à 177 morts. On est un peu foutu là. Hein. On n'est pas foutu, mais. Ah, je suis tombé. Ok, 346 pour eux. On va voir comment ça va se passer. Mais là, il y a beaucoup trop de rouge, beaucoup trop de morts. J'aurais dû sauvegarder avant de lancer l'attaque. Là, j'en perds quand même beaucoup. Ouais, là, on a perdu beaucoup trop, je pense qu'il faut que j'arrête. Ou pas. On a des renforts ou pas? Ouais, on a des renforts. Ils sont encore trop nombreux. Non, non, on arrête là. On part en retraite. Ouais, nous reste 244. Et pour eux, 325. Ok. On part. On remonte la cohésion. On a perdu beaucoup, beaucoup trop de monde. Il va falloir que... Là, ils ont beaucoup de blessés aussi. Mais si on se rafait encore un petit peu, on peut vite y arriver. Mon Dieu, quand même. Hein. Là, c'était quand même assez limite. Diatma, est-ce que c'est réattaqué? Non, pour le moment, tout va bien. J'arriverai à les choper, ces petits salauds. Ça n'a pas trop l'air.
Ici, rien n'est attaqué. On va quand même recruter un petit peu par chez nous, je pense. Il y en a un là qui est mal. J'ai pas vu. Est-ce qu'il peut attendre que j'arrive? Ouais, c'est tout bon. On est 620, j'envoie mes troupes, là j'ai pas le temps. 16 morts, tout va bien. Caladog, non. Ok. Mais le monde qu'on a perdu là quand même, c'était un petit peu limite, hein. Du coup, elle va me falloir. Il va falloir que je reprenne du monde. Du coup, comment est-ce que je vais faire ça? Eux, ils vont assiéger cette ville. Et puis moi, je vais retourner chez moi. On va passer. Il faudrait passer sur Pravend. Il y a trop de monde. Ils vont se réfugier là-bas ou pas? Ouais, ils vont se réfugier là-bas. Allez! Les Azeraïs, bah voyons. Juste au moment où il fallait pas, juste il me restait juste une ville. Bon, c'est pas grave. Toute façon, il vous faut aussi qu'on leur pète la gueule aux Azeraïs. N'empêche qu'on est juste assez nombreux quand même là. Du coup, celui-là, je pense qu'ils vont attaquer par là-bas. Et moi, je pourrais revenir par là, je pense. Ils se rassemblent ici. Ouais, ça peut être une bonne idée, mais faites attention quand même. Je sais pas combien ils sont, mais est-ce que je devrais quand même aller les aider? Histoire de terminer quand même les Batagnans. On va tenter. On va regarder ici aussi. Tiens, je vais passer à Marunat. Je vais revendre un petit peu les prisonniers. Diatma est attaqué. Mais c'est attaqué par qui ça? C'est lourd, dis donc. Alors. Déjà ici, gérer la ville. Loyauté, plus 0,35. Donc tout va bien. Recruter. On recrute tout le monde. Commerce. On revend tout. Pas grand chose. Taverne pour les prisonniers. Pas grand chose non plus. Et c'est tout bon. Non, va falloir que je protège. À moins, oui, ils y vont. 924, ça va, ils sont quand même assez nombreux. On va plutôt aller les aider eux. Et après, on redescendra. Du coup, on a 4 armées maintenant. 1, 2, 3, 4. Donc tout va bien. Ah, par contre, je vais juste me reprendre, recruter un petit peu ici. On prend des recrues, c'est pas bien grave. Ils sont déjà 989 et puis ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, ces imbéciles? Ah, ils se rassemblent. Clegban? Clegban, c'est où ça, Clegban? On sait pas trop, hein. C'est pas grave. Don't know what we have to say to each other. Ok. Ah bah dis donc, on en a du monde. Ah juste, oui, c'était bien à droite qu'il me fallait. À gauche, je veux dire. Et ça. À droite. Ok. C'est bon, ils ont commencé. Parfait. J'arrive. Par contre, vous n'avez pas foutu grand-chose. Je peux pas gérer? Ah non, 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 bah non, alors non, je me mêle pas de ça, c'est quoi ça? Vous êtes fous? On va perdre beaucoup trop de monde encore. Ils sont combien?
Ouais, 495. Bon, allez, vas-y. J'envoie les troupes, par contre, juste pour voir. Ouais, quand même, hein, 355 pertes. Mais on a pris la dernière ville, là. Ouais, mon aide, t'es bien gentil, toi. En plus, on en récupère 41, mais c'est pas assez. Ça, ça. Là, c'est cela. Ensuite, du coup. Quoi? Ah, mais non, mais j'y crois pas, quel con! Mais quel con! Mais j'avais pas remarqué que c'était les Vlandais là qui attaquaient. Ça me dérange un peu quand même, mais bon, bref, ok. C'est fait, c'est fait. Ah, mais quel imbécile quand même! J'y crois pas. Bon. C'est peut-être pas voulu, vous avez de la chance, hein, que je sois un petit peu tête en l'air. Donc, du coup. Vous, vous allez défendre Diatma, vous avez bien raison. Faites seulement. Et moi, je vais m'occuper maintenant des Azeraï. Sauf que je vais passer d'abord. On va passer à Carban 7. Ouais, Carban 7. Ah, puis ça aussi, ça m'appartient. Enfin, toutes ces villes m'appartiennent. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà pour quelle raison est-ce que je me fais du pognon. Mais tant mieux! Ah, c'est l'Empire septentrional qui attaque! D'accord, d'accord. Et puis ils sont combien, les vilains? Donc, puisqu'ils n'ont rien, ils peuvent être 3000 quand même. Hein. Ouh, mais c'est que c'est dangereux tout ça! Je devrais peut-être y aller immédiatement en fait. Je sais pas combien ils sont, mais ça risque d'être assez rock'n'roll là. Et là, on va les aider ceux-là. En plus, on récupère un petit peu, c'est bien. Ok. Par contre, là, ils ont déjà mené l'assaut, je pense. Exactement. Puis, ben oui, vous allez défendre là-bas au fond, vous avez bien raison. C'est comme ça que ça marche, les gars. Allez, défendre ma ville, avant que je me fâche. Ah, la guetta aussi, mais des... ils ont pété les plombs, quoi. Ouh, l'Empire septentrional, ça va pas du tout, ça. Alors, je vais défendre la guetta plutôt, hein. Et putain, ils ont pris Diatma. C'est qui ce Varmund là? Tu fais chier. Bon, peut-être qu'ils étaient trop nombreux aussi, mais. Eux, ils défendent la guetta. Eux, par contre, ils attaquent. Ok. Ok, donc 849. Juste pour voir ici, on est toujours à moins 100. Ça n'a pas changé. Non, non, non. Alors, du coup, on va quand même retourner. On va faire comme je voulais. On va voir s'ils vont s'étendre ou pas. Les Cusés, les Azeraï, on va voir comment ça se passe aussi. Vous êtes battu au moins? Ouais, apparemment. 95 défenseurs, c'est vrai que c'est pas grand chose. Ils reprennent Diatma, enfin en tout cas ils tentent. Celui-là, j'ai pas regardé. On en est comment ici? Loyauté plus 0,33. Il n'y a pas besoin de construire, donc ici tout va bien. On va tout de même recruter. Commerce, bah, de toute façon je crois qu'il n'y a rien à revendre aussi quand même. Donc j'ai des prisonniers. Ouais, j'en ai. Comme ça on repart vide. On va voir à Carban 7. Donc là, j'ai posé beaucoup en garnison. Donjon, garnison. Et là, on va mettre...
tout ça là. Ça. Les fions, je vais les garder quand même, ils sont bien utiles. Je vais garder les archers parce que je pense pas que j'en récupérerai beaucoup. Ça, d'accord, recrue. J'en ai pas énormément en fait, hein. Cent quarante-huit. J'en donne des bons, hein, c'est pas pour en dire, mais. Voilà, je pense qu'avec ça, ça devrait le faire. Hein. Allez, hop, comme ça on est tranquille. Normalement. 226 en garnison. Là, ça va le faire. Ensuite, je te disais, Pravend, immédiatement. Et ensuite, on va aller la rouler dessus un petit peu, là. À qui, je ne sais pas, mais on va la rouler dessus. Par contre, Par contre, ils sont en train de se réagrandir. S'ils me déclarent la guerre, ces vilains, ça va pas le faire, là. 3580, une ville, 3 châteaux, quand même, hein. Alors qu'ils ne possédaient plus rien, ils ont réussi quand même à reprendre un petit peu. Non mais sans déconner, les Vlandes, oui, maintenant on a repris... Mais c'est bien, moi je vais te réattaquer, tu vas voir. On va reprendre ce que vous avez pris. Les Azarels, ça me coûte combien? Bah tiens, on va faire la paix avec eux. Ça va pas trop nous emmerder. Et puis comme ça, je vais m'occuper... bah tiens, la Batanie, là. On peut faire la paix aussi. Ils possèdent plus rien, on s'en fout. Ils nous servent plus à rien, juste à piller, donc s'ils nous pillent des choses, ça va pas m'être très utile. Hein. Ils sont plus qu'à 805. Ils sont en guerre contre tout le monde, évidemment, pour apprendre un peu de terrain. Donc du coup, les problèmes, bah, c'est l'Empire Septentrional et les Vlandais. Donc pour le moment, je dirais que tout va bien, on est à plus 7000. Ça se passe très bien. On va juste voir ici un peu comment ça se passe. Alors, ici... Garnison. Ça me fait déjà peur. Ok. Il n'y en a que 385. Mais je suis de la même culture normalement, il n'y a pas de souci. Donc déjà. On va prendre tout cela. Cela. On va prendre ça également. Tiens, archi chevronné. Pire à cheval, on va le prendre, la cavalerie, archer vétéran, cavalerie, avant-garde, infanterie Azerai, bon pourquoi pas. Paysan batagnan, ça n'a rien à faire là, les pillards non plus. Mais non, je suis en train de faire n'importe quoi, c'est l'inverse qu'il faut que je fasse, je suis con. Ils sont 512. d'accord, donc recrue vlandaise. Je sais plus s'il s'améliorait ici, mais bon, c'est pas grave, on va les prendre. Ils vont s'améliorer avec moi. Des piquets vlandais, j'en prends. Fantassins vlandais, on les prend aussi. Tireur d'élite. Lancier. Là, on commence à dépasser. Cavalerie légère, on prend tout, ça on prend. Lancier vlandais, blablabla, ok, ça on en a 73, on va les prendre aussi. Et puis, on va prendre quelques arbalétriers. Fantassin, on va prendre encore un petit peu, puis je pense que c'est bon. On prend encore un petit peu de cela aussi, tiens, hop. Et hop, ok.
Oui, je sais, on en a trop, c'est pas grave. Maintenant, le groupe de le brave, mon frère. Ils sont pas nombreux là. 119, c'est pas énorme non plus. Tiens, je te donne un petit peu là. Comme ça, 83, là, on en a pas mal aussi. 116, ce sera suffisant pour lui. Frontassin, pitié. Arbalétrier, ouais. On en a quoi, 51 tireurs d'élite. Et puis. Ah tiens, tu vas prendre aussi un petit peu de recrue. Voilà. Ensuite, mon frère. À 374, donc je peux en prendre encore un petit peu quand même. On va aller en prendre. Bah tiens, je te donne tout ça en fait. Je te donne le reste. On va repasser dans ma ville, dans une de mes autres villes. En fait, il faut que je fasse comme ça plutôt, c'est plus simple. Voilà. On peut faire ça aussi. Ok, 1198, c'est quand même pas mal. On aurait qui ici? 873, ce serait lui, mais ça ferait quand même une grande route. On va passer sur Oxal, je pense. Hein. Du coup, j'ai moins de garnison. Et puis, on va se faire celui-là. Diatma, bah quoi, ils ont fait quoi? Ok, ils se sont fait dessus. D'accord. Donc là, on est toujours à moins 100, évidemment. J'arrive, les gars, j'arrive, vous inquiétez pas. Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'était la garnison. 75. En plus, j'ai encore pas mal de troupes aussi à donner aux autres personnes de mon armée. Bon, moi, on repart, mais vraiment propre, là. Ouais, alors ça, bah, je te les prends tous. Sergent Vlandais, je les prends aussi. Cavalerie. Ok, ça ira, je pense. Combien est-ce qu'ils sont? 673, c'est quand même mieux. Maintenant, allez, 55, donc 49 on a eu là. Il n'y a pas grand-chose. Alors, des sergents vlandais, je t'en donne un petit peu, mais pas trop non plus. On va plutôt leur donner... Ah bah tiens, des recrues. C'est pas sympa, mais c'est comme ça. Oups. Ouais, puis je vais pas reprendre, ça c'est bête. Les herbes à l'étrier. En fait, ça va peut-être monter comme ça. Bah tiens, prends tout ça là. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ensuite, ça c'est fait. Pour 849. Épéistes. Voilà. Ah, c'est bon. Hein. On va pas donner plus. 1425, c'est quand même pas mal. On est à moins 298 du coup. Je pense qu'on va passer par là-bas. Faire un petit tour ici. Je vais quand même les prendre ici. Ce qu'on peut prendre. Si Onan, bah ça sera pour moi, c'est bien. On va commencer par le bas. Quelle heure il est? Ok, il me reste à peu près encore 15 minutes. Ça va le faire. On va prendre tout ce beau monde. C'est un repère, non? Ok, c'est parti. On va se faire le château de Talivel. On va commencer par là, on va remonter. Peut-être prendre le château de Véron et puis finir par Seonon. On va voir s'ils osent attaquer. Eux, ils s'occupent du château de Véron, c'est bien. Eux aussi, mais par contre, on n'a plus de défense par là-bas. Donc attention quand même. Faites très attention. Ils sont combien? 153.
Je refuse, je sais pas qui c'est, mais on s'en fout. Allez, Talival. Mais j'ai l'impression que c'est une histoire sans fin, en fait, hein. Allez, hop, on attaque comme ça. Et les Azeraï, ne vous inquiétez pas, on va venir s'occuper de vous. Bientôt, bientôt. Un château de Lanok'en, d'accord. Où est-ce qu'il se situe? Je sais pas trop. C'est pas grave, j'arrive les gars, j'arrive. Ah, il me semble très long là la construction. On va laisser faire là comme ça. On va peut-être y arriver en fait. Ils sont plus lents que nous à la construction. Celui-là, ok, c'est bon, c'est parti. Ici, on en a 56 à monter. Et puis, on a toujours l'arc, c'est tout bon. Allez, 165, franchement, ça va être réglé, ça va être assez vite poutré. Trop rassemblé, je trouve, mais c'est pas grave. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas attaqué celui-là. C'est vrai que je m'en souviens un petit peu. C'est un joli château d'ailleurs. Ah, ouais, mais c'est là où ils emmerdent à descendre des escaliers. Ah oui, c'est vrai que maintenant on a quand même pas mal de d'arbalétriers. Enfin, je crois que ça fait quand même plus de dégâts, mais ils n'ont pas beaucoup de carreaux. De me pousser comme ça. Oh bah je crois, non même pas. Mort. Ah non. Allez. Je pense qu'il est tombé. On va aller se joindre à eux. On va passer les murs. Il en reste 97 en face. Ça va être assez vite poutré, je pense.
Ok, c'est parti. Ils ont défoncé en tout cas la première porte. Ah, ils ont dû rentrer. Et ouais, c'est moi, je suis tout seul les gars. Il reste plus que deux. Chopez-moi les. Chopez-les-moi. C'est parfait, merci beaucoup. En même temps, ce sont eux qui ont commencé. Ils ont déclaré la guerre, donc. C'est une très bonne chose. Oh, attention. Est-ce que j'ai pas lu du monde? Je ne crois pas. Parfait. Château de Véron est attaqué, c'est très bien. Après, bah, il y a juste Seonon à attaquer, du coup. C'est parti. Ah oui, il y avait celui-là aussi. Ah bah, ils l'ont pris. Bah, c'est pas grave, on va le reprendre. On va passer par ici. Je sais pas si... Ouais, ils ont foutu une armée, t'inquiète pas, j'arrive, là, ils vont vite reculer, hein. Allez, allez vous abriter dans le château, là. Je vais vous avoir aussi. Vaut mieux se les faire tout de suite, en fait, ceux-là. Peut-être qu'ils vont s'abriter en ville, je sais pas. Propriétaire du château de Talivel. Ouais, vas-y, je sais pas, je m'en fous. Oh, y a un pigeon là sur mon balcon, je vais lui casser la gueule. Oui, voilà, t'as bien raison. Attaque le château de Remtail. Le château de Melgen. C'est qui ça, c'est où? Château de Véron. Attends, voir. Ah, celui-là, ok. Puis les autres, ils sont où? Je sais pas. Bon, je vais m'occuper d'eux déjà. Mais puis, est-ce que ça fait longtemps que je n'ai pas effectué de bataille, hein, franchement. Pour la dernière partie, je pense que je vais faire cette bataille, puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Après, je continuerai. Ils sont où? Ils doivent pas être loin. Ils sont juste là en face. Ok. Alors, on va leur faire un petit barrage, là. On va faire ça comme ça. On va faire le groupe 3. Et puis, on va changer un petit peu de stratégie, d'ailleurs. On est au maximum là? Ouais, on est au max. On va changer un peu de stratégie. Du coup, je vais mettre des archers ici. On va mettre 50%. Ok. Ce qui veut dire que le groupe 2, il va aller là. Le groupe 3, non, le groupe 6, il va aller là-bas. Le groupe 4, là-bas. Le groupe 4, vous allez vous mettre ici. Le groupe 6, ici. Le groupe 3, ici. Le groupe 2, ici. Ouais. Le groupe 1, vous allez avancer là. Et le groupe 5, ici. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. 18, ok. Par contre, on était déjà... Comme ça. Ouais, par contre, je crois qu'ils archi là-bas.
Voilà la cavalerie. Groupe 1 également. Pourcentage, je sais pas. Allez, groupe 6 et groupe 2 à l'attaque aussi. En fait, on a tout le monde à l'attaque. Hein. Cher, j'ai pris cher là. C'est qu'ils sont quand même, ils ont pas des petites troupes là, les gars. Hein. Je pense non, ils ont encore des renforts. Attention, on prend cher quand même. On a perdu 48, ça va, ça va. Attendez, je vais m'en occuper de celui-là, là. Il est pour moi. Ah, 48. Ça va, on a eu pire. Prisonnier, 57. On en a 27 encore à monter. Ça. Parfait. Et puis je pense que la suite ce sera. Ah mais c'est pas vrai. Les autres ils sont où là? Non mais c'est pas possible. Allez, je vais défendre moi. Ah ouais, mais regardez-moi ça, c'est qu'ils se font vraiment. C'est qu'ils ont du monde, ces petits salauds. It's been a while. Allez, je me fais encore la dernière bataille. Et ça ira pour aujourd'hui. Il me reste quoi? Il me reste 5 minutes. Non, normalement, je devrais arrêter maintenant, mais c'est pas grave. Du coup, je pense qu'ils sont quand même assez éloignés. Par contre, là, ils sont un peu plus sur la gauche, apparemment. Je sais pas, on verra bien. Ils sont pas bien loin. On va les avancer un tout petit peu plus loin. Et puis eux aussi. C'est pas génial, génial là. Forward. Bowman. Vous allez où? Arrows. Rider. Hear me. J'ai dit ici. Vous allez où? Soldiers. Get moving. Troops. Shields forward. Bon alors, qu'est-ce qui se passe déjà? Eux, on va aller et on va leur régler leur compte déjà. Ça serait une bonne chose de faite. Voilà,
pas comme prévu. Surtout que j'ai pas vraiment eu le temps de me reposer, donc il me reste encore peu de vie. À peu près la moitié, un petit peu plus, mais bon. Avancer un petit peu là. Va falloir avancer aussi un petit peu. Cela. Également. Le groupe 4. Là-bas. Et là. Même les avancer encore plus loin que ça. C'était de gauche à droite, je crois. Si ça, comme ça. Ah, c'est bon, ils partent à l'attaque. On va faire la même chose avec eux. Ah mais non, mais j'ai fait le con, c'est pas vrai. Ah c'est dommage. Allez, on envoie la cavalerie. On envoie aussi l'infanterie. Ils sont juste là, tout va bien. Les renforts arrivent là-bas. Ok, je suis tombé. Allez, on verra combien est-ce qu'on va perdre. Je pense dans les 80-100 personnes, je pense que je vais perdre. Même pas. Parfait. Tout le monde. Hop. 10 troupes, 47 prisonniers. Ok. Ouf. Allez, on va revendre un petit peu tout ce beau monde. Le château de Véron. Ah bah attends, j'arrive. Mais ce sera pour la prochaine fois. 46 000. Non, ça c'était bon, c'était réglé. On est toujours à plus 0,04. On est toujours en positif, donc tout va bien. On recrute des troupes également. On va... Le commerce était fait. Et puis, c'était à la taverne. Ici, à Chasseret, ça ne m'intéresse pas. Prisonnier rançonné. Ah. 1, 2, 3. 10 000, c'est pas trop mal encore. Ok, je vais juste réaugmenter un peu la cohésion, comme ça c'est fait. Il va falloir que je m'occupe du château de Véron, ici. Oh non, bah non, je sais pas c'est qui attaque là. Ah mais c'est encore les Bataniens, je parie. Propriétaire pour qui? Pour le château de Véron. Vous voulez que ce soit moi? Bon, ok, je prends. Je sais pas qui c'est qui attaque là. Ils sont en guerre contre qui, je disais. L'autre là, c'est les Bataniens. Oh là là, bon, non, ça fait un peu chier. Bon, on verra bien, ce sera pour la prochaine fois. Je vais faire ma petite sauvegarde, donc c'est bien surtout de Véron, hein. On est bien d'accord, rien d'autre est attaqué pour le moment. Diatma, par contre, il va falloir le reprendre également, Sionan aussi. La Nokem, bon, on verra si c'est repris. Défend de Véron la prochaine fois. Il y a de quoi faire avant de s'attaquer, je pense. Après, il va falloir que je m'attaque aux Sturgiens. Que je reprenne aussi un petit peu toute cette partie, en fait. Là, parce que là, c'était septentrional, je crois, ici, en fait. C'est peut-être pour ça que je suis à moins 100. Non, c'est pas pour ça, je pense. Mais peut-être que ça pourrait aider. Si je prends leur ancien territoire. Et puis ensuite, je remonte un peu aussi les Sturgiens. Il va falloir qu'ils
qui se calment un petit peu, parce qu'ils sont devenus quand même assez puissants, il me semble. Avec 6436, c'est les Azeraï surtout, qui sont devenus très puissants, et Kuzait également, ah, quoique un petit peu moins. Et les Bataniens, ok. Tiens, ils sont en guerre aussi contre les Bataniens, ouais, c'est normal. Ok, allez, je vais sauvegarder, sinon je vais jamais m'arrêter. Et je vais m'arrêter là, donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!